Bonjour, bonjour mes amis. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un poème de Paul Claudel. Paul Claudel est né à Villeneuve-sur-Fère en 1868 et il est mort à Paris en 1955. J'avais 11 ans. Ses fonctions l'ont conduit à parcourir le monde entier. Il a d'abord été consul de France à New York, Boston, la Chine, etc. Il a ensuite été ambassadeur de France, notamment à Tokyo, Washington et Bruxelles. Il avait presque 80 ans lorsqu'il a été élu à l'Académie française. Paul Claudel s'est converti à 18 ans. En rentrant dans une église, en assistant aux vêpres, un 25 décembre, alors qu'il se trouvait à côté de la statue de la Vierge Marie, la statue dite la Vierge du Pilier à Notre-Dame de Paris. On sait aussi que lorsqu'il se trouvait dans sa maison de campagne, à Brangues, dans l'Isère, il se rendait à l'église deux fois par jour. Le matin pour communier, et puis l'après-midi pour méditer et s'entretenir avec la Vierge Marie. Ce poème de Paul Claudel s'intitule La Vierge à midi. Il est midi. Je vois l'église ouverte, il faut entrer. Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. Je n'ai rien à offrir. Je n'ai rien à demander. Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. Vous regardez pleurer de bonheur, savoir cela, que je suis votre fils et que vous êtes là. Rien que pour un moment, pendant que tout s'arrête. Midi, être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. Ne rien dire, regardez votre visage. Laissez le cœur chanter dans son propre langage. Ne rien dire, mais seulement chanter parce qu'on a le cœur trop plein. Comme le merle qui suit son idée en ces espèces de couplets-refrains. Parce que vous êtes belle. Parce que vous êtes immaculée, la femme dans la grâce enfin restituée, la créature dans son honneur premier et dans son épanouissement final, telle qu'elle est sortie de Dieu au matin de sa splendeur originale, intacte, ineffablement, parce que vous êtes la mère de Jésus-Christ, qui est la vérité entre vos bras. Et la seule espérance et le seul fruit. Parce que vous êtes la femme, l'Éden de l'ancienne tendresse oubliée, dont le regard trouve le cœur tout à coup et fait jaillir les larmes accumulées. Parce que vous m'avez sauvée, parce que vous avez sauvé la France, parce qu'elle aussi, la France, comme moi, pour vous, fut cette chose à laquelle on pense, parce qu'à l'heure où tout craquait, c'est alors que vous êtes intervenu. Parce que vous avez sauvé la France une fois de plus. Parce qu'il est midi. Parce que nous sommes en ce jour d'aujourd'hui. Parce que vous êtes là pour toujours. Simplement parce que vous êtes Marie, simplement parce que vous existez. Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée. Paul Claudel.